C'était bonjour, monsieur Abdelrazak Hani, bonjour. Bonjour. Alors, la modernisation de l'administration, c'est un objectif. Les documents d'identité biométrique, c'est pour bientôt. J'entends par bientôt 2 mois, en juin prochain. Dans 2 mois, on aura la première carte nationale biométrique. Tout est prêt, monsieur Hani, et pour lancer cette carte biométrique, vous serez dans les délais. Bonjour. Donc, pour qu'on soit dans les délais. Mais aujourd'hui, nous avons annoncé tous les cahiers de charges et tout pour les appels d'offres. Et nous attendons les offres et normalement, on sera au rendez-vous au mois de juin pour avoir la première carte d'identité biométrique. Et elle sera à partir de la Rouat. Elle sera à partir de la Rouat, tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous avons Hamiz qui est chargé pour le passeport. Et nous avons la Rouat qui sera pour la carte d'identité, mais dans un deuxième lieu, dans une deuxième étape, nous allons après transférer, c'est-à-dire une fois qu'on sera plus à l'aise, on mettra après, il y aura Al-Hamiz, il y aura la carte et le passeport, et au niveau de la route, il y aura aussi la carte et le passeport. Alors pour les permis de conduire, la carte grise, même principe, M. Hani? Pour le permis de conduire, on vient de commencer et ce ne sera pas avant, ça sera un peu plus, parce qu'une fois qu'on termine, avec le passeport, le renouvellement des passeports, et qu'on termine aussi avec le lancement de la carte d'identité. À ce moment-là, on s'occupera du passeport, du permis. Et le permis, on a commencé à travailler dessus. Et je ne pense pas qu'on va lancer le premier permis avant le début 2016. Mais maintenant, c'est-à-dire pour le permis de conduire, sa conception a été transférée au ministère de l'Intérieur. C'est plus le ministère des Transports qui est en charge aujourd'hui de la confection du permis de conduire biométrique. Tout à fait. Alors pour la carte grise, du nouveau? Oui, pour la carte grise. Ce sera numérisé ou oui, il va falloir attendre? Non, pour la carte grise, c'est déjà numérisé. Nous avons déjà les fichiers des cartes grises qui existent en ce moment et que c'est possible avec cette possibilité que le citoyen aujourd'hui, il n'a plus besoin d'attendre des mois et des mois pour avoir sa carte grise. Parce que des fois, quand on achète une voiture d'une autre wilaya, on doit attendre la fiche de confirmation. Et cette fiche prend beaucoup de temps. Et des fois, ça dépasse même des années, une année ou une année et demie, pour avoir cette confirmation. Donc aujourd'hui, le citoyen, avec ce fichier-là, il peut, l'agent au guichet, il peut accéder directement à la base de données, faire sortir cette confirmation et remettre le jour même la carte grise au citoyen. C'est rapide. C'est très rapide. À travers tout le territoire national, sans exception, vous vérifiez régulièrement, M. Hani? À travers tout le territoire national, et on vérifie. Et nous avons même fait une extension au sud, parce que dans certaines communes du sud. Alors pour le passeport, d'ici novembre prochain, tous les passeports seront biométriques. C'est une exigence de l'aviation civile internationale. Mais le problème qui demeure aujourd'hui chez nous en Algérie, Monsieur Hani, c'est qu'au niveau des délais de livraison, les délais restent relativement longs. Pourquoi, Monsieur Hani, quand on sait qu'aujourd'hui, l'enquête de police a été supprimée? Tout à fait. L'enquête de police a été supprimée. Nous avons le problème qui s'est posé maintenant, parce que vous savez qu'au mois d'août, septembre, les délais étaient de 1 semaine, 10 jours maximum. Mais aujourd'hui, bon, c'est vrai que nous avons pris un retard parce qu'il y avait un rush pour le mois de novembre et décembre. Et ça s'est propagé à janvier, février, même mars. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'absorber tout ce rush. Et aujourd'hui, nous en avons pratiquement absorbé. Et là, le passeport, maintenant, il est remis là-bas, avec des dates qui sont maintenant entre 15 et 20 jours, où nous avons le passeport. Mais certains, par endroit, ils l'ont au bout de 27 jours, 30 jours, d'autres même 40 jours. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, bien sûr, ces délais qui sont inégalés par endroit? Vous savez, madame, le problème qui se pose, c'est que par endroit, vous dites bien que c'est par endroit. C'est parce que des fois, il y a des lieux, des DRA ou des consulats, que quand ils reçoivent ces passeports, parce que le passeport n'est disponible qu'une fois qu'il a été enregistré, comme quoi il est arrivé à la DRA. Et là, les problèmes qui se sont posés, bon, il y a certains DRA qui prennent un peu plus de temps pour les enregistrer, mais nous sommes dessus pour réduire ce temps,
pour réduire ce temps. Et normalement, ils ont reçu l'instruction pour que dès qu'un passeport arrive au niveau de la DRA, il faut qu'il soit enregistré. Parce qu'une fois qu'il est enregistré, il est visible aux citoyens. Quels sont, par exemple, les moyens de traitement aujourd'hui? Puisque vous avez parlé d'un rush le mois de novembre et décembre dernier, c'était par rapport justement à la valeur du timbre fiscal qui devait augmenter de 2000 à 6000 dinars. Vous avez reçu pas moins dans cette période de 2 millions de demandes ou de passeports à confectionner. Et aujourd'hui, avec ces délais, combien vous en réalisez en moyenne avec le centre d'El Hamiz et les autres? Aujourd'hui, on réalise... On réalise jusqu'à 25 000, maximum jusqu'à 25 000 passeports jour. C'est-à-dire on est entre 22 000 et 25 000 passeports jour aujourd'hui et on travaille 7 sur 7 et 8 et 24 sur 24. Mais est-ce que vous avez résorbé un peu la demande qui avait été demandée le mois de novembre et décembre dernier, à savoir les 2 millions de passeports qui vous ont été remis? Oui, nous avons tout, nous avons résorbé, il nous reste à peine 100 000 passeports, mais c'est des passeports aussi qui sont arrivés au mois de février et mars. Donc c'est bon. Donc aujourd'hui, on peut dire que nous sommes en train de traiter des passeports qui arrivent le jour. Et n'oubliez pas que tout le monde maintenant renouvelle leur passeport, parce qu'il y a aussi l'information que les gens pensent que après le 24 novembre 2004, on va arrêter de confectionner des passeports. C'est pas vrai. On continue à délivrer les passeports, on continuera en 2016, en 2017, en 2018, parce que l'Algérie continue à donner les passeports, l'Algérie continue à voyager et à avoir des passeports. Ça veut pas dire que c'est des passeports ordinaires qui seront plus valables, mais les autres, mais après, on peut renouveler ces passeports. C'est-à-dire à partir du 24 novembre prochain, tous les passeports seront biométriques à travers tout le territoire national. Tout à fait. Sans exception. Tout à fait. Alors, mais par rapport au passeport, justement, il y a du nouveau par rapport aux jeunes mineurs? Oui, justement, pour rapport, parce que nous allons, à chaque fois on améliore, parce qu'il faudrait un peu diminuer un peu la tension au niveau des aérats, au niveau des consulats. Comme les enfants moins de 12 ans, on prend pas leurs empreintes. On prend que la photo. Donc, nous avons pris une disposition pour ne pas faire venir les enfants au niveau pour l'enrôlement. Au niveau des consulats ou bien au niveau des daïrad. Donc l'enfant ne vient pas, les parents viennent, ils ramènent juste la photo, une photo biométrique, c'est-à-dire c'est une photo qui est prise chez le photographe. Et là, comme ce qui se passe pour le visa, et cette photo-là sera scannée. Et les enfants ne seront pas obligés de venir au niveau des consulats ou bien au niveau de l'aérat pour être enrôlés. Et là, ça diminue un peu le nombre de personnes qui arrivent et les chaînes qui se font au niveau de l'aérat et au niveau des consulats. À partir de quand, M. Hanni, cette disposition sera en vigueur? Ça sera en vigueur à partir de la semaine prochaine. Mais pourquoi ne pas l'avoir prise plus tôt, puisque maintenant vous avez les moyens de scanner et d'avoir des documents, c'est-à-dire authentifiés, sans pour autant déranger ou emmener des enfants, même des bébés, parfois, dans les daïras? Vous savez, du point de vue technologique, vous savez, il y a des cas aussi qu'il faudrait. Cette disposition, on l'a prise une fois que nous avons demandé à l'ICAO, voir quelles sont les instructions techniques qu'il faut mettre en place. C'est un travail qui a été fait techniquement. Une fois que on est arrivé à le faire, on va le mettre. Et aussi, n'oubliez pas que aussi la présence. Au départ aussi, d'après la présence de la personne au niveau, il y a aussi un problème de texte aussi, parce que la présence aussi de la personne au niveau pour se présenter pour l'enrôlement était obligatoire aussi. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est en train de nous mettre à niveau par rapport aux standards internationaux? Parce que c'est vrai que dans ce domaine-là, nous accusons un retard de plus de 20 ans, même si c'est votre direction n'existe depuis une année. On est obligé. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être sans intention, parce que là, les chaos, à partir du 24 novembre, on est obligé d'être et on sera. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut considérer que cette modernisation de l'état civil se fait de façon, un peu égalée à travers tout le territoire national, même au niveau du sud, quand on sait que les distances sont très 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 importantes pour aller d'une daïra à une autre? Merci. Pour ce qui est de l'état civil, vous savez, madame, c'est une réaction très importante qu'il ne faut pas occulter, parce que, vous savez, avoir un registre national numérisé d'état civil était une opération très importante qui a pris beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on peut dire que nous avons un registre
numérisé, nous avons numérisé tous les registres d'état civil. Ça veut fini dire... les grands cartons, les grands carnets qu'on nous sort à chaque fois. Terminé. On va sortir un document d'état civil. Terminé. Fini. Tout est numérisé. Tout est numérisé. Plus tout... de fautes non plus. Hein. Justement, nous sommes en train aussi, les petites fautes, nous sommes en train de les corriger. Et une fois qu'on corrige une faute, c'est que c'est important. Parce que avant, on corrige la faute et après, ça revient. Aujourd'hui, si quand on corrige l'erreur, c'est terminé, elle ne revient plus. Et nous avons maintenant, tous les citoyens peuvent sortir leurs documents dans n'importe quel APC, n'importe quelle commune, au niveau national, et même au niveau des annexes. Des annexes, quoi, c'est quoi les annexes? C'est des bureaux de communes qui sont ouvertes en dehors du chef-lieu de commune. Ça veut dire dans les petits villages, dans les ksar au niveau du sud, il y a des et ils sont reliés à la fibre optique. C'est ce qui est important. Donc tout est relié et les citoyens peuvent sortir tous leurs documents, aussi bien l'acte de mariage que l'acte de décès, que l'acte de décès de leurs parents, ou bien l'acte de naissance, ou bien même le 12S au niveau de ces lieux. Ça veut dire au niveau des 1541 communes plus des 3000 annexes. Mais au niveau, par exemple, des localités du sud où les distances sont très importantes, si vous résidez à, disons, à 100 ou 150 km de Ain Ghazem, comment faire pour aller vers la Daïra et retirer vos documents? Est-ce que vous allez réduire les distances et est-ce que les wilayas délégués vont prendre en charge toutes ces préoccupations aujourd'hui, M. Hanni? Ou alors vous les envisagez avant même la naissance de ces wilayas délégués? Oui, c'est déjà fait, nous avons commencé déjà. Nous avons déjà commencé parce que vous savez, madame, au sud, les communes sont lointaines par rapport à la Daïrat. Je prends Timiaouine qui est à 200 km de Bouchepé-sur-Tarr, je prends Outara qui est à 250 km de Mes'ed. C'est-à-dire, c'est des lieux qui sont très lointains. Donc, le citoyen ne peut pas aller pour aller faire sa carte d'identité ou bien il ne la fait pas du tout. Donc nous avons ouvert au niveau de la commune des bureaux qui font office de daïra. Ça veut dire que le citoyen vient à la commune, il dépose ses documents au niveau de la commune, et nous avons relié ces communes avec le fichier de carte grise, et même le passeport, il le dépose au niveau de la commune, et nous avons des stations d'enrôlement mobiles, et la daïra se déplace au niveau de la commune, fait l'enrôlement de ses citoyens, et après le passeport reviendra à la commune, au niveau de la commune, et les données au niveau de la commune. C'est effectif, c'est effectif depuis, nous avons fait à Adrar, nous avons fait à Ilizi, et on va le faire bientôt pour Djelfa, Tamarast et... Les réalisations d'actes d'état civil, vous en êtes où aujourd'hui, puisque vous avez déclaré à la fin de la première partie que ça y est, c'est fini avec les gros registres qu'on nous sort à chaque fois qu'on veut retirer un acte de naissance ou un document quelconque. Aujourd'hui, oui, nous avons fait mieux. Nous avons maintenant, comme nous avons le système, nous avons dans le système, nous avons les actes de mariage, et nous avons les registres de mariage, et nous avons les registres de naissance. Nous avons commencé à nous-mêmes à obliger, ça veut dire même si c'est pas fait, maintenant nous avons commencé à interpeller, si vous voulez, les communes pour leur dire il faut envoyer parce que nous avons l'information aujourd'hui, parce que comme le système, nous avons un système informatisé dans lequel nous avons et les naissances et les mariages. Donc on a avec un croisement, on peut savoir qu'il y a quelqu'un qui s'est marié, qui n'a pas été porté. Et à ce moment-là, on sommes en train d'interpeller carrément les communes pour qu'ils notifient ou pour qu'ils mettent la mention marginale sur le registre. Mais est-ce qu'on peut considérer que toutes ces tracasseries seront finies avec la mise en place du numéro d'identification unique que chaque citoyen va porter? C'est-à-dire, on ne sera pas considéré comme Soulila ou comme Salim ou comme Mahrez, mais comme un numéro, nous aurons tous un numéro. Tout à fait. Donc, vous savez, tous les 4 760 000 Algériens qui ont eu leur passeport ont déjà un numéro de transition nationale. Et nous allons, au fur et à mesure qu'en donnant la carte d'identité aussi, tous, ils vont avoir ce numéro. C'est-à-dire, vous l'aurez sur le passeport, sur votre pièce d'identité, sur votre permis de conduire, sur tous vos documents d'état civil. Et après, même plus tard, nous allons, avec la relation, avec la coopération intersectorielle, même le registre commerce, tout. Le fisc. Partout, vous aurez le numéro. Et à ce moment-là, à chaque fois, vous donnez le numéro et vous avez toute l'information sur vous, ou sur votre activité, sera
ça sera présent sur l'écran. C'est plus des noms, mais c'est des numéros. C'est plus des noms, c'est des numéros. Qui vous suivront partout. Partout. Un numéro qui vous suivra partout. Mais quand ça sera effectif totalement à travers tout le territoire national? Parce qu'on en parle depuis quelques temps, mais là, quand est-ce que vous êtes fixé une échéance? Janvier 2016 ou un peu plus tard? Un peu plus tard, parce qu'il faudrait, après que tout le monde ait la carte d'identité biométrique. Parce qu'il y a les passeports et les cartes d'identité. Le permis de conduire également, c'est en 2016. Le permis de conduire, encore recommencé, pas avant 2016. C'est-à-dire, ça va être durant l'année 2016. Alors, pour les erreurs de transcription du nom, une mesure, une instruction avait été donnée aux mairies, c'est de que ce soit elles qui prennent en charge, c'est-à-dire l'erreur que le citoyen n'ait plus à se déplacer au niveau des juridictions administratives mises en place. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Vous arrivez au guichet, on vous dit, allez ramener un jugement et venez rectifier votre nom. C'est pas normal, non? Normalement. Puisqu'il y a l'instruction. L'instruction est là. C'est qu'il y a un travail qui a été fait entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Et un arrangement que c'est la commune qui. Il y a deux administrateurs au niveau de la commune qui sont chargés de ce travail. Le citoyen dépose la demande et eux, ils vont au niveau du tribunal. Ils règlent sa situation, ils récupèrent le jugement et ils font le changement sans que le citoyen se déplace au niveau de la commune. Ça, c'est une instruction qui a été donnée par le ministre d'État et les communes doivent s'exécuter. Mais souvent, ce n'est pas le cas et ce n'est pas effectif. Quand on est confronté à ce type de situation, quel recours aujourd'hui? On vous appelle, M. Annie, on vous saisit au ministère de l'Intérieur? Il y a le 1100, madame. Il y a le 1100, le centre d'appel qui existe aujourd'hui. Vous savez que nous avons mis en place un numéro vert, un numéro d'appel 1100, qui est en train de donner beaucoup de satisfaction pour les citoyens. Les citoyens sont en train d'appeler le 1100 et leurs problèmes sont réglés. Donc s'il y a un problème pareil, vous appelez le 1100 et le problème sera réglé. Alors, pour le passeport biométrique à l'étranger, quel est le temps exact pour l'avoir de délivrance? C'est une question d'un auditeur qui nous appelle de l'étranger. Vous savez qu'il y a plusieurs étapes pour les citoyens qui sont étrangers. Premièrement, ils sont enrôlés. Deuxièmement, l'information est transférée vers le ministère des Affaires étrangères. Et ensuite, elle est transférée vers le ministère des Affaires étrangères, vers le ministère de l'Intérieur. Et ça, je peux parler que de la période qui passe au niveau du centre. Je vous assure, madame, que pour ce qui est au niveau du centre, on donne une priorité. En priorité les Algériens qui sont étrangers parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire autrement pour rentrer, ils doivent avoir leur passeport. C'est pour ça qu'il y a une priorité qui a été donnée pour les citoyens qui sont à l'étranger. Ceux qui prennent autant de temps, ça veut dire qu'il faut qu'ils se rapprochent du consulat parce qu'il y a un problème. Des fois, il y a un problème de prise d'empreintes, d'autres, ils ont des problèmes de prise de photos. Et là, nous, on rejette l'enrôlement. Mais vous ne signifiez pas, vous ne contactez pas la personne concernée? On signifie au consulat. D'ailleurs, vous me donnez l'occasion d'annoncer que, aussi la semaine prochaine, nous allons lancer un site web qui va informer le citoyen de toutes ces informations et informe le citoyen que son passeport a été déposé, est-ce qu'il est arrivé au niveau de Hamiz, est-ce qu'il est sorti de Hamiz. Ça veut dire qu'on peut faire le suivi du délai de traitement de son passeport. Voilà. C'est le même principe que pour le visa pratiquement. Tout à fait. On va le faire et là, à partir de la semaine prochaine, le citoyen aura à suivre son passeport et là, il saura que son passeport a été fait ou il n'a pas été fait et à quel niveau il se trouve. Alors justement, par rapport à la confection de passeports biométriques à l'étranger, nous avons un exemple concret. Il y a des Algériens qui ont déposé leur dossier au mois de novembre 2014 au consulat de Rouen. On est au mois de mars 2015 et c'est aucune réponse à ce jour. Est-ce qu'on pensait que c'est au niveau du consulat que se pose le problème? Ou alors il y a le problème de la notification qui n'a peut-être pas été transmise à la personne concernée qui nous appelle ce matin et certainement elle doit être inquiète. Hein, pour ce cas, ça fait pratiquement une année qu'elle n'a pas son passeport. Pour ce cas, c'est sûr que c'est un problème de notification et qu'il doit se présenter au niveau du consulat de Rouen pour avoir l'information. Mais est-ce que vous contrôlez régulièrement pour un peu améliorer davantage et perfectionner le système qui est mis en place aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des contrôles qui se font de façon régulière? Oui, madame, bien sûr, on travaille tous les jours. C'est-à-dire, aujourd'hui, on travaille pour le Fédéral. Mairie, Daïra, Wilaya? Tous les jours, il y a des inspections qui font que ça. Oh, d'ailleurs, moi, je viens de rentrer de la Ouate. Vous avez vu, j'ai été à Jelfa. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait des pommes de Ouattara et de
hommes la dame qui étaient des communes lointaines de la Daïra. C'est-à-dire, vous avez pris la décision de créer au niveau des communes des annexes de Daïra. Et aussi, on fait des tournées, il y a même des directeurs généraux qui ont été dépassés pour leur secteur, mais ils vont quand même voir le numéro vert, ils vont voir les passeports, ils vont tout voir. C'est-à-dire les inspections qui se font tout le temps. Alors, aussi autre chose, monsieur Hani, puisque vous êtes le directeur de l'administration et de la modernisation et aussi des archives, et c'est quelque chose de bien parce qu'on va tous un moment de sa vie dans la mairie ou pratiquement quasiment souvent pour renouveler ses documents d'état civil. Au niveau de l'état civil, il n'y a plus de guichet X, il fait ça. C'est tous des guichets uniques, c'est-à-dire vous avez un seul préposé qui vous délivre tous vos documents. Tout à fait. Donc il y a aujourd'hui un guichet. Il n'y a pas quelqu'un qui fait de la légalisation. Bon, la légalisation, elle est supprimée. Quelqu'un qui vous donne l'acte de naissance, l'autre la résidence, etc. Vous avez au niveau du guichet tous les documents, seul guichet. Nous avons plusieurs guichets, mais tous les guichets, c'est-à-dire la même chose. Il faut la même chose. Ouais. Il ne vous demande pas de revenir 10 minutes après ou qu'un quart d'heure ou en début d'après-midi sur place. Non, c'est sur place. D'ailleurs, nous avons exigé que le signataire soit derrière, juste derrière pour signer. Alors, autre question, monsieur Henny, moi que je souhaite vous poser. Également, il y a ce problème de délai. Les délais, est-ce qu'ils seront réduits à l'avenir pour les passeports? Parce que c'est vraiment un véritable casse-tête. Il n'y a plus d'enquête. Normalement, c'est dans les 3-4 jours, c'est un jour, un passeport. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça, voilà. Pour bientôt. Bientôt, ça va être comme ça, parce que bon, je veux dire, ça va être une semaine, 10 jours maximum. Alors, vous êtes aussi le directeur général des archives. Les gros registres qu'on avait à l'état civil, ils vont pratiquement nous manquer. Où est-ce que vous allez les mettre? Et ils vont rester, parce que vous savez, c'est la mémoire. C'est sa mémoire, c'est la référence. On reste toujours, le registre ne va pas disparaître, c'est la référence. Ça veut dire qu'on va continuer toujours. Mais leur conservation dans l'état. La conservation, ils vont être dans un état, ils vont être bien reliés, dans un lieu sécurisé et bien entretenu. Et ils resteront comme la référence d'état civil algérien. Alors, fini le trafic de documents avec le biométrique? Tout à fait, bien sûr. Avec le biométrique, premièrement, on aura des documents sûrs. Deuxièmement, on aura des fichiers et tous les contrôles seront très bien faits parce que c'est des contrôles avec des éléments de sécurité de haut niveau. Mais avec le permis de conduire numérisé, est-ce qu'on peut considérer que vous allez détenir le fichier des contrevenants au code de la route? Parce que c'est véritable hécatombe qui se produit sur nos routes au quotidien, M. Hani. Bien sûr. Déjà, permettez-moi de vous dire que nous sommes en train de faire le fichier des titulaires du permis de conduire. Et en train de se faire, aujourd'hui, nous sommes en train de saisir, et d'ici un mois, on termine ce fichier, on aura déjà un fichier. Maintenant, pour ce qui est au contrevenant, bien sûr, après, une fois qu'on commence le travail, il y aura à chaque fois que quelqu'un fait un contrevenant, il est enregistré, et à ce moment, au fur et à mesure, on va avoir bien sûr le fichier de contrevenant. Alors pour la carte grise, c'est une question qui est posée, rapidement je vais vous la poser. Ils disent que pour la carte grise, quand il y a par exemple des actes de vente et d'achat, souvent le formulaire de vente et d'achat n'existe pas au niveau des Daïra. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce moment-là? Est-ce qu'on va aussi se débarrasser de ce document? C'est au niveau des communes. Oui, au niveau des communes. Est-ce qu'on va aussi se débarrasser de ce document de vente et d'achat? C'est un document normalement qui se fait au niveau des communes, il peut être fait au niveau des notaires. Mais aujourd'hui, il est fait au niveau des communes. Le document existe. Maintenant, s'il y a un jour quelqu'un. Donc, je trouve que. Moi, je pense qu'il faut que le citoyen exige. Il est venu pour un document. La commune est tenue de lui donner ce document. Monsieur Abdelzahar Hani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. À bientôt. Bon.